Cette année, certains secteurs pavés ont été rénovés. Mais attention, rénover ne signifie pas pour autant refait à neuf. Je peux vous assurer qu'il reste une difficulté majeure. Nouvelle crevaison. Encore 15 km à parcourir. Nouvelle crevaison. Certains coureurs essayent d'emprunter les bas-côtés pour éviter tant bien que mal les pavés, avec les risques de crevaison que cela comporte. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Encore une crevaison. Ça y est, les premiers coureurs rentrent à Roubaix et maintenant ils prennent la direction, Jackie, la direction enfin de ce fameux vélodrome. C'est la délivrance pour tous ces coureurs. On passe directement de l'enfer au paradis. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Oh là 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 là, énorme chute au sein du peloton! Les coureurs ne sont pas tous repartis! Radio Tour annonce une chute dans le peloton! Tom Bonnen qui va signer un succès, il fait long, énorme ici, il a gagné! Les doigts au ciel, victoire de Tom Bonnen! Superbe victoire, c'est moi, oui j'ai gagné! Victoire de Tom Bonnen. Magnifique. Ouais. Magnifique. Quelle impression vous avez? Oui. J'ai dit cette semaine, c'est très important pour le sprinter parce que après dimanche, c'est seulement une ou deux chances pour le sprinter. Merci Tom. Si.